Ville-Curène, Cesprit Ocagne avait été assez longuement arrêté, pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il avait besoin de repos. Donc il n'a pas eu de problème. En plus de ça, son propriétaire avait envie de le mettre un peu en thalasso. Donc il a été en thalasso chez les sœurs Koval. Et donc après, on a pris notre temps pour le repréparer. Et sa rentrée récemment ? Très bonne. Je ne m'attendais pas du tout à faire un résultat. J'avais dit à Steve de Villard, mon apprenti, de le courir tranquille parce qu'il rendait 25 mètres, de faire que les 450 derniers mètres. Il est parti doucement, il s'est mis dernier, il a tiré en dehors aux 450. Il a fini comme une balle, il est battu d'un nez. Et comment vous l'abordez alors cette deuxième course de remise en jambe ? À la base, c'était pas prévu à son programme parce que j'avais plutôt visé une course à Vincennes à la fin du mois, mais ça faisait presque 6 semaines entre les deux courses. Du coup, le cheval, il travaille tellement bien que je me suis dit, bah, pourquoi pas, surtout qu'il se plaît, corde à droite. Le camp, c'est un parcours qui va vraiment lui convenir. En regardant la liste des engagés, je me suis dit, tiens, il peut être 4-5e. Et ça sera un tremplin pour sa course. Il a une course à la fin du mois, une le 26, une le 29, au choix. Donc après, il va courir sa chance, il prendra ce qu'il prendra. Voilà, on voudrait bien courir celle de fin du mois, mais s'il passe les gains, c'est pas grave. Il va tenter son va-tout à 100%. Mais Gilles, on sait que parfois la deuxième course n'est pas la meilleure. Ouais, voilà. Surtout après une bonne rentrée. D'ailleurs, ouais, je suis pas plus chaud que ça. S'il n'est pas à l'arrivée, c'est pas très grave. Je le défère quand même des postérieurs. Maintenant, le cheval, il est bien. Il vient de travailler il y a 10 minutes. Il était super bien. Je m'attends pas à un résultat extraordinaire, mais par contre, je serais franchement. Bon, je suis toujours optimiste, mais franchement, sans m'attendre à un résultat extraordinaire, je serais pas surpris qu'il prenne une 3-4e place.